Ça permet aux élèves de travailler sur des véhicules modernes, en sans cesse renouvellement pour pouvoir être à la pointe de l'électronique, à la pointe de la mécanique et leur permettre de s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle lorsqu'ils sortent de l'établissement. Oui, très, très content, au moins pour avoir les nouveaux modèles, les nouveaux moteurs. On a plus de compétences quoi, en faisant ce véhicule. C'est un vrai plus parce que c'est une voiture, c'est la plus technologique. C'est vraiment un véhicule récent, c'est vraiment un véhicule qui va nous permettre d'avancer dans notre formation. Beaucoup de concessionnaires, beaucoup de constructeurs, BMW y compris, et d'autres, on donne la possibilité à ces jeunes, dans leur partie d'études, d'être déjà dans un cadre professionnel. Et c'est donc plus facile pour eux, après, pour décrocher un emploi. Donc cette expérience-là, ce mécénat qui est mis en place, c'est ce qui permet à des jeunes d'aller plus facilement vers l'emploi, et on sait que l'emploi, c'est vraiment notre obsession à la région. Il est important pour le BMW Group de pouvoir livrer des véhicules et les mettre à disposition de lycées professionnels. Donc c'est cette année et l'année dernière, on aura livré 25 en totalité et on va continuer à le faire afin de renforcer la présence de BMW dans les lycées professionnels. Je dirais que le constat, il était simple, comme dans beaucoup de métiers. On se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à trouver des techniciens, des carrossiers, des peintres et des vendeurs. Et donc j'ai une démarche proactive il y a 2 ans avec la région qui était de se dire aujourd'hui pourquoi pas prendre des jeunes dans un lycée professionnel, les former à l'URMA Arras, qui est un organisme qui est financé par la région, et de les récupérer au bout de 14 mois et de les intégrer en CDI chez nous.